généreux c'est Sarah. Hey, madame Abraham ça. Li tellement remè bay, même servante li offri Marie l'Abraham pour mettre dans bras. Mes amis, hey, petite branchette Vinchita et puis ouvrez oreille ou grand petite pour tendre parole ça. À la parole drôle papa. Hey. Donc re salut c'est en colonie qui n'a parole et qui vient porter parole le vient dans prochain étude biblique là qui c'est Genèse chapitre 16. Alors sujet c'est Ismaël premier petit Abraham. Ismaël premier petit Abraham. Donc on nous prier pour nous capable continuer parole là. Donc adorable El Shaddai dans moment ça encore nous remercions pour opportunité ba nous pour nous capable venir côté pour nous capable porter parole qui ba la vie dans moment ça nous merci pour tout ce fait pour nous pour tout ce continuer faire pour nous nous mandons pour capable aider nous pour nous capable comprendre pour nous capable tendre parole là pour édification dans nous et pour nous capable mettre nous conforme à parole ou afin que l'on vienne pour nous capable dire ou viens Yeshua viens ben dans moment ça nous prions comme ça aider nous vrai saint esprit assister nous pour capable faire nous capable grandir spirituellement non seulement je veux dire mais jusqu'à ce qu'on va tourner nous prions comme ça c'est pas parce que nous bon dit mais c'est pas petit tout mais du petit tout Yeshua qui vitrait au siècle des siècles amen. Donc nous songeons que chapitre 15 ans était parlé de et Abraham qui était al nan guerre pour l'autre parce que l'autre al nan pays Sodome et Gomorrhe et nous connaît que à cause de problèmes et dans Sodome et Gomorrhe là yo te vinn et pays wa te vinn débarquer pour te capable prendre tout bien que te gagne te prend bien l'autre tout Abraham te obligé à intercéder pour l'autre donc parce que nous te dit que parce que lui-même il gagne l'esprit et El Shaddai dans lui-même il pas capable gagne jalousie dans cœur donc c'est comme ça que parole là t'est passé donc chapitre 16 ans de la Genèse ans lui-même l'a parlé de Abraham qui vient faire un petit monde qui relait Ismaël comment fait petit monde ça côté le venir donc n'a parlé n'a nous parle travail dans Bible Martin dans Bible Darby dans Bible Gédéon dans Bible Tob et puis n'a passé à travers quelques philosophes aussi donc et Genèse chapitre 16 le verset premier qui ça le dit Saraï femme d'Abraham ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Donc, avant de commencer à rentrer dans le détail là, il faut nous dire côté le jeune égyptienne Sarah qui relie Agar là, qui fait que le servante lien. Eh bien, l'on regarde dans Genèse chapitre 12 verset 18 à 20. Genèse chapitre 12 verset 18 à 20. Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Et Abraham donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. C'est là que Agar était la servante de Saraï pendant son séjour en Égypte chez Pharaon. Donc, Genèse chapitre 12 verset 18 à 20. Fait qu'on est que côté le jeune servante sacré les agalan c'est le pharaon te kidnappel et puis l'a renvoyé il te dit et Sarah consacre parti avec Abraham parti avec tout ça ne possédé et bien nous te dit que dans parmi leur départ ça Sarah il te gagne une servante de confiance li pendant ces jours là et pharaon qui te relé Agar il était allé avec lui avec un paquet l'autre monde encore donc c'est servante ça que n'a parlé là dans Genèse chapitre 16 en attentif dans bagaille ça et Genèse chapitre 16 verset 2 Bible Gédéon il dit verset 2, chapitre 16, verset 2, Genèse 16, 2. Et Saraï dit à Abraham, voici, El Shaddai m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Mes amis, et mesdames, vous avez parlé encore, donc c'est pas ça. Mais mesdames, c'est pas toujours mauvais conseil, non, bah, non pas prendre bagaille négatif, hein. Parce que toujours un bon bagage qui passe parce que derrière tout grand homme il y a une femme c'est tout mesdames qui bah messieurs manger mettez au frais a dit chérie pas faire ça mes amis nous comme bah bon conseil aussi mais c'est pas toujours mesdames qui fait erreur mes amis parce que Abraham tout et El Shaddai était fait Abraham en promesse n'est-ce pas pour te dire que l'a gagné héritier cap vini donc il pas obligé et bagage il était gagné à consulter et El Shaddai aussi nous comprendre pour te dire madame en même temps de sortir m'a consulté El Shaddai ensemble vous comprendre c'est pas toujours mesdames pour nous bailler et problème donc verset 3 il dit alors Saraï femme d'Abraham prit Agar l'égyptienne sa servante et la donna pour femme à Abraham son mari après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan donc ça veut dire que dire même Marie, lui Marie pas ta même et cajoli un petit monde dans bras parce que Marie l'a plein pas oublier c'est pas esprit Sarah fait pas faire défense ça et Sarah il mais pas oublier que
Et monsieur et Abraham toujours à complaine devant El Shaddai. Et nous capable ça, il était dit et dans et El Shaddai comme ça, ou connaît que et moi-même moi pas moi besoin gon progéniture et que ou regarder ouais c'est Eliezer et de Damas et serviteur qui pral hériter seulement. Alors El Shaddai était rassuré, nous songe ça très bien et dans chapitre 14 et il te dit ça dans chapitre 14 et côté il dit comme ça que c'est monsieur qui pral hériter de bagaille. Il dit ça encore dans chapitre 15 dans verset du verset 1er au verset 5. Là parler, il dit El Shaddai comme ça que pas oublier que c'est Eliezer de Damas qui pral hériter. Donc madame il tend des bagages ça en pile. Ça fait la peine pour lui, il t'a même Ariel gon en progéniture, il sentit que et dame ça qui s'est servante li Sarahi qui bali yon réconfort madame moins ou pas besoin peur moins là ou pas comme ça ou dit c'est fi qui a parlé et peut-être c'est après de mûres conversations qui fait que il décide faire décision ça. Donc entendez mes amis chapitre 16 verset 3. Alors Sarahi femme d'Abraham prit Agar l'égyptienne sa servante et la donna pour femme à Abraham son mari après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays. Mes amis verset 4. Il alla. Abraham alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. La regarde Sarah avec mépris. Parce qu'on est enceinte, petite 5 et petite 10, petite c'est 11, mariage c'est 5. Ça veut dire qu'on est là, moi-même, moi, j'ai la partie, qu'on est ma poton petite pour monsieur, c'est moi-même. Verset 5. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris que El Shaddai soit juge entre toi et moi. Donc, mes amis, bagala gonti jan compliqué. Donc, pas oublier que leur moun gen confiance dans moun son paquet de bagay. N'est-ce pas? Si an te montré, te inspiré Sarahi confiance, c'est ça que fait le délaguer dans Bramaril. Donc, bagala ça, c'est pas première fois que ça arrive. Dans Genèse, chapitre 30, verset 3, Genèse 33, et Rachel, madame Jacob, pas de café timoun, li te prend et servante li Bila, li te dit Jacob al couche avec elle pour capable bon progéniture. Mais lui même li te fait ça dans le sens de rivalité avec seule Léa. Parce que ouais Léa était plein petite, lui même pas de café petite, li prend servante li voyelle. Et dans même Genèse chapitre 30 verset 9 là, Léa te commence faire timoun, elle ou pas faire timoun encore, li voyait servante li Zilpa pour la coucher avec Jacob. Jacob te gen assez, Jacob te gen 4 dames nan men pour le paroiser, mesdames a voué servante le pas capable encore. Donc ça c'était dans l'esprit de rivalité. Contrairement à Sarahi, lui même il te fait ça par amour pour Maril, côté lui même il te voulait Maril qui mon bébé dans bras. Mes amis, on écoute. Donc, là regardez, pas oublier que El Shaddai lui même il gen capacité pour capable sonder les cœurs et les reins. Lui connaît l'on bagage et a fait un monde mal, il connaît le monde dévoué de tout cœur. Pas oublier qu'il ça le psaume 110 verset le psaume 10 verset 4 et verset 14 dit psaume 110 verset 14 dans le Bible de Darby psaume 10 verset 14 et psalmiste ça parler il dit et qui c'est David il dit tu regardes et tu vois la peine et les souffrances et tu prends cas des malheureux. Tu regardes et tu vois la peine et les souffrances et tu prends cas des malheureux. Pas oublier qui ça mademoiselle dit et mademoiselle Sarahi dit l'elle ouais que servante là a regardé avec des dents a regardé avec un yeux drôle l'a fait mal et comme on t'a dit ça et mauvais yeux lui dit lui relait El Shaddai lui dit que El Shaddai est capable de juger entre lui-même avec elle. Donc pas oublier encore que El Shaddai a une capacité pour capable sonder les cœurs et les reins. 1 Chronique 28 verset 9, 1 Chronique 28 verset 9 dans Bible Martin, il dit David dit à Salomon et toi mon fils, connais El Shaddai, le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme disposée parce qu'il connaît les cœurs. 1 Chronique 28 verset 9. C'est ça que David te dit. Ça veut dire que El Shaddai te connaît que Sarahi pas t'a fait ça pour t'être capable et rejeter Maril. Il pas t'a fait ça pour Maril t'a quitté là dans bras en l'autre, il t'a fait parce que il t'a voulu Maril pour t'être un petit monde. Eh ben nous dit encore 1 Samuel 16 7, 1 Samuel 16 verset 7 Bible Darby, El Shaddai ne considère pas ce que l'homme considère. Ça veut dire que Sarahi t'est capable que Agar c'était un bon monde, mais
c'est pas de plan et j'allais parce qu'on connaît les cœurs. Nous dit encore dans Romains 8 27 dans 8 secondes, Romains 8 27 il dit et celui qui sont de les cœurs connaît la pensée de l'esprit. Romains 8 verset 27 et celui qui sont de les cœurs connaît la pensée de l'esprit dans 8 secondes. Donc et nous capables pour l'autre passage encore Michée 7 verset 7 à 9, il dit pour moi je regarderai vers El Shaddai, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut et il m'exaucera, car si je suis tombé, il me relèvera. Michée 7, verset 7 à 9. Bible, parole de vie. Donc, mes amis, nous avons un pile verset là, pour nous capables de parler juste de chapitre verset 4 là, dans Genèse chapitre 16. Mais, on fait un coup de pied tout pour nous garder, on continue dans verset 5 là. Dans Genèse chapitre 16, verset 5, Bible Gédéon lui dit, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu que j'étais enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Donc, on est là censé que madame nan, il y a un problème avec Abraham aussi, parce que nous pas capable de juger Sarah, parce que peut-être que Abraham, de temps en temps, a besoin d'un ventaga. Peut-être que l'autre fille est enceinte pour lui, il vient commencer à ralentir sur madame lui parce que lui-même lui a tété et pour le gars pas de bon petit monde, il voulait bon petit monde. Donc madame a pas fait pas animer de mauvaises intentions, il était voulait ballon pour génétique comme on dit. Mais il choisit Agar qui était disposé peut-être pas façon le ouais que Agar était zamine collaborer avec lui, il pensait que et il était capable d'aspirer le inspirer le confiance, il inspirer le confiance ça, mais et bagaille là trop bon pour Aga voulait rester dans condition hein. Donc bagaille yo gont gens compliqué, son on bagaille qui très corsé, mais qui ça El Shaddai dit, il dit malheur à ceux et celles qui prennent des résolutions sans me consulter. Malheur Ézéchiel, malheur à ceux et celles qui prennent des résolutions sans me consulter. Abraham te connaît que c'est ton appelé le théier. El Shaddai a déjà fait le promesse que la bali yon progéniture. Et nous faut lire encore là, tout à l'heure, dans Genèse, chapitre 15, dans verset 7, là, du verset 7 au verset 14, côté El Shaddai a déjà promis à Abraham que la bali yon postérité. Parce que postérité, c'est l'argent. Postérité, ça veut dire un descendant de mon petit. Donc, ça veut dire, et bagayot t'es passé mal dans la situation. Donc, qui ça n'a dit au niveau des terriens, nous dit que ça t'est déjà arrivé, déjà, que yon femme t'est déjà bail et a livré et Maril à servante. Nous dit Genèse 30, verset 3 encore, nous dit que et Rachel t'est offri Jacob Billa servante li pour être capable coucher avec lui, pour être capable balayer en progéniture. Mais nous dit c'est dans rivalité le besoin faire parce qu'il était en rivalité avec seule Léa qui t'a fait petite que lui même pas fait petite. Et côté dans Genèse 30 verset 9 encore continuer côté Léa même encore te voyer Zilpa servante lui et bah Jacob pour Jacob t'es capable coucher avec elle pour le faire petite parce qu'il pas fait petite encore et il pas de bagarre. Donc mesdames ça yo même Rachel avec Léa c'était dans l'esprit de compétition que t'es fait dans l'esprit de jalousie. Mais tandis que madame Abraham ni même c'est pas amour qu'elle fait pour Marie. Nous dit ça encore et nous accentuer sur ça, c'est pas amour qu'elle fait. Mais la servante, leur servante l'a vie enceinte, nous pas miser sur servante là, c'est pas parce que c'est servante lui. Non, qui fait nous miser sur lui, loin de là, c'est parce que c'est confiance au niveau de confiance. Donc et nous voit que et El Shaddai lui-même paraît même monde qui ingrat. Il paraît même monde qui ingrat. Et de fait que Sarah lui-même a cherché recours dans El Shaddai, l'a délivré. C'est pas parce que l'autre a été servante qui fait l'a délivré parce qu'elle t'a fait confiance. Donc, et pas oublier qui ça gagne encore qu'on est là, n'a ponté rien. Donc, philosophe Eugène Cloutier, qui était aussi un artiste, un écrivain, il dit les jaloux sont comme les fous, ils ne se rendent jamais compte de leur souffrance. La jalousie provient d'un manque de confiance, non pas envers l'autre, mais envers soi-même. C'est Eugène Cloutier, 1921-1975, qui dit ça. N'a pas qui ça, Léonard de Vinci dit, 1452-1519, Léonard de Vinci, philosophe encore peintre, qui dit « L'expérience prouve que celui qui n'a jamais confiance en personne ne sera jamais déçu,
puisque c'est de la confiance que naît la trahison. Léonard de Vinci dit, philosophe Léonard de Vinci dit, l'expérience prouve que celui qui n'a jamais confiance en personne ne sera jamais déçu, puisque c'est de la confiance que naît la trahison. Donc, n'a dit encore un autre philosophe. Philosophe, ça, lui-même, il est François de la Rochefoucauld. Il dit comme ça, la sincérité est une ouverture de cœur. On la trouve en fort peu de gens. Et celle que l'on voit d'ordinaire, n'est qu'une fine dissimulation pour attirer la confiance des autres. Attendez, oui, ça, François de Rochefoucauld dit, la sincérité est une ouverture de cœur. Nous trouvons dans très peu de monde, et monde que nous voyons chaque jour, ça y a montré, c'est pas fin, ça, c'est hypocrisie avec ruse que y a pu utiliser pour capable attirer confiance l'autre monde, confiance dans yon monde. Et nous capable dit que ça répond exactement à ça que Agathe fait vis-à-vis de Sarah. Il était faire une sorte de dissimulation, font ruse, en hypocrisie pour être capable de gagner confiance Sarah, pour être capable de claguer dans bras Abraham, et lui-même pour être capable de prendre Marie Sarah pour lui. Donc, dans verset 7, là, Genèse chapitre 16, le verset 7, chapitre 16, verset 7, dans la Bible Gédéon, il dit, l'ange de l'Éternel de El Shaddai la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Donc, pas oublier dans verset 600, Sarah vient à pomplein avec Abraham. Abraham voit que c'est pas juste parce que lui même la vive situation, lui voit comment madame lui a bien vivre avec Agar. Ça a dérangé le tout. Il dit verset 600 chapitre 16 verset 6, il dit Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Ça veut dire que la balle mauvais gens, il doit même battre lui parce que nous connaissons le plus souvent les moun yo gen servante comment on fait. Donc mes amis, on a profité de ça tout, l'organ servant tout, mes amis aménagez là, hein? Parce que tout le monde c'est monde, hein, fait bagarre avec technicalité, nous même tout servant tout, et bon Dieu, j'ai une conscience tout par rapport à attitude nous parce que Dieu cap gardé. Donc Genèse chapitre 16 verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près de la source qui est sur le chemin de Shur. Verset 8, il dit à Agar, Agar servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Donc songez, l'homme pose des questions ça. C'est pas parce qu'il pas connaît côté le parler, c'est pas parce qu'il pas connaît ça qui a passé. Nous songez ça qui est passé dans Genèse chapitre 4 verset 10, le Caïn t'est fini tu Abel, il t'a demandé ça tout. Il t'a demandé Caïn côté frère, parce que pas parce qu'il pas connaît. Genèse chapitre 4 verset 10 et dans 1 roi 19 verset 13, 1 roi 19 verset 13, le Élie le Chibite t'a fui Jézabel, le t'est fini tu et prophète de Baal yo. Il était dans caverne non. Et El Shaddai a été demandé le même bagage là, il a demandé Élie le Chibite soit fait là. Soit fait là, pas parce qu'il pas connaît, il posait question encore, il demandait Agar qui soit fait là. Eh ben Agar te répondit dans verset 9 et dans verset 8 et Genèse chapitre 16 verset 8 Bible Gédéon, il dit Agar servante de Sarai, où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Alors, elle a expliqué l'ange de l'Éternel qui s'est passé, verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Ça veut dire que retournez à la Sarai et puis excusez-vous, faites excuse. Parce que ça que fait l'ange de l'Éternel, m'a dit ça. C'est parce qu'elle connaît disponibilité de cœur, madame ça. Elle connaît que madame ça pas de mauvaise en soi. Elle connaît que madame pas de mauvaise en soi. Donc, ça, qui ça nous dit encore, et dans Romains 8, 27, il dit, et dans lui second Romains 8 27 il dit et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit. Ça veut dire que lui connaît que madame Nante est bien disposée son bien le t'a fait. C'est pas un bagage malhonnête il t'a fait, son bien le t'a fait, c'est pas dans l'esprit de compétition, c'est pas dans l'esprit de malhonnêteté. Que le t'fait, El Shaddai connaît les cœurs. Lui te connaît que Sarah était offrit Maril avec tout cœur, pas pour te prendre net. Donc et pas oublier dans 1 roi 8 verset 56 1 roi 8 verset 56 et Bible Martin lui dit béni soit El Shaddai qui a donné du repos à son peuple Israël selon tout ce qu'il avait dit, pas un mot de toute sa parole prononcée à Moïse n'est tombé à l'eau. Ça veut dire que pour qui ça vient sous ça, parce que nous parle et prend chapitre et dans verset 10 chapitre 16 verset 10 l'ange de l'Éternel lui dit je multiplierai ta postérité
et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Li getan fait Sarai et Agar yon promesse aussi. Li di, nous dit encore dans 1 Roi 8:56, béni soit El Shaddai qui a donné du repos à son peuple Israël selon tout ce qu'il avait dit. Pas un mot de toute sa parole prononcée à Moïse n'est tombé à l'eau. Ça veut dire que El Shaddai tient sa promesse. Ça veut dire que même si et Agar, c'était une autre nation, c'était un Égyptien, par rapport à la promesse que le fait Abraham. Non, mais le fait que Abraham était couché avec elle, que le te gen tan gon ti moun nan vant li, eh bien, il te gen tan sous la juridiction de El Shaddai aussi. Donc, ou même qui petit de yok, que n'apre le petit de yok, pas petit madame Marie, que, que papa noual pour un point, nous dit nous pas la donne, c'est petit madame Marie qui a mangé l'argent, nous mais nous chire, parce que nous gen 100 moun nan enfant nous, hein. Sans mon annonce, nous faut prier quand même pour demander El Shaddai grâce. Même si c'est petite servante nous, même si c'est petite dehors, vient nous reler là, et ben nous tout tirer, prier. Attendez, nous tout sous juridiction parce que c'est sans mon nom. Et nous capable boire ça et Agar à cause que petit Abraham nan vente li, et ben El Shaddai dit m'a béni, m'a baou en postérité. M'a baou mon progéniture. OK, ma baou de moun to bon peuple nombreux qui sorti dans ou. Donc Genèse chapitre 16 verset 10, l'ange de l'Éternel El Shaddai lui dit: "Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse que qu'on ne pourra la compter." Verset 11 chapitre 16 verset 11 Bible Gédéon, l'ange de l'Éternel lui dit: "Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, Ishmael, Ismaël, ou après les petites là, Ismaël, car El Shaddai t'a entendu dans ton affliction." Ismaël veut dire affliction. Ismaël veut dire affliction. Ça veut dire que nous capables d'entendre, musulmans capables de parler, moi-même, je suis le descendant d'Ishmaël. Ça veut dire que premier petit Abraham, là, c'est lui-même qui construit le peuple musulman, n'est-ce pas? Donc, c'est deuxième petite lien, c'est Isaac qui construit le peuple Israël, côté noué juif, et bien Ismaël, c'est petit Abraham, tous deux c'est petit Israël. Ça veut dire que musulman avec Israélito, c'est frère, c'est petit Abraham. Yo dou, moi-même, c'est petit Abraham. Abraham, Ashbraham. Donc, ça veut dire, même Mbara il dit, chapitre 16, verset 12, très important, chapitre 16, verset 12, il dit: "Il sera, la palais d'Ismaël, qui avait dit musulman, chef musulman, il sera, je parle de Mahomet qui c'est prophète, on va parler de chef, côté de Sousbara la sortie. Chapitre 16, verset 12, il dit: "Il sera, ça veut dire Ismaël sera un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères." Ou est-ce qu'il, depuis qu'il est prophétien là, depuis dans la Genèse au début, ça veut dire chapitre 16, verset 12, li gon bagay prendre sou li yon espérance, yon vision eschatologique pour dire ki moun la paye. Ça veut dire que son moun la men, ça veut dire que même musulman yo a sou tout moun et tout moun a met tout moun a sou yo. Et pas même qui dit non pas pas sou mais non, c'est la Bible qui dit dans Genèse chapitre 16 verset 12, la parler de Ishmaël qui c'est premier petit Abraham. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Dim, et nous connaissons Palestine sans face Israël, même Bagala, même partagé même territoire, en face de tes frères. Et pas moi qui dis non, face à face. Ça veut dire que et guerre, nous, Bagala, comme ça, si la parler de Jérusalem, Palestinien, Jérusalem, c'est frère, oui, petit Abraham. Il y a une petite Sarah, il y a une petite Agar. C'est même Bagala. Attendez, même Bagala. Donc, dans le prochain chapitre 17 ans, nous allons prendre Isaac, qui est le deuxième petit là. Donc, nous allons voir Bagala, nous allons comprendre côté Bagala, guerre, ça a sorti. C'est depuis dans la Genèse, il est sorti. Donc, chapitre 16, verset 13, chapitre 16, verset 13, elle appela à tel Léwa le nom de El Shaddai qui lui avait parlé, car Agar dit: "Et je n'ai vu ici après qu'il m'a vu." Donc, ça veut dire que Agar, ouais, que le pas délaissé, que El Shaddai garder malgré toute tribulation. Et verset 14, c'est pourquoi on l'appela ce puits le puits de Lakaïwa. Il est entre Kadès et Bard. Donc, verset 15, chapitre 16, verset 15, Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Donc, ça veut dire, nous, et pas oublier, qui ça, l'ange de l'Éternel te dit, dans verset 7 ans, et puis pas oublier qui ça te dit, dans verset 11 ans, Genèse 16, 11, il te dit que, il pral son petit garçon, il pas de balmenti, hein. Ça veut dire que il te kembe parole, li, comme nous dit encore dans 1 Roi 8, verset 56, El Shaddai, lui-même, tout ça te dit, Moïse, il te exécuté, et c'est pas Moïse seulement, tout ça le dit, il kembe, parce qu'il n'est pas un dieu pour mentir, ni un homme pour se repentir. Nous dit verset
pendant plusieurs temps, pendant plusieurs fois dans passage ça. Donc nous disons encore pas oublier dans le n'appli Deutéronome 7 verset 9, Deutéronome 7 verset 9 dans Bible Darby, il dit connais donc que El Shaddai ton Dieu est fidèle et garde son alliance et sa promesse. Deutéronome 7 verset 9 connais donc que El Shaddai ton Dieu est fidèle et garde son alliance et sa promesse. Et puis n'a dit encore et Jérémie 17 verset 5, Jérémie 17 verset 5, il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme par rapport à ça que Agar t'a fait Sarahi. Hein. Et puis non, et Psaume 118 verset dans le Psaume 118, il dit Psaume 118 mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Le Psaume 118 mieux vaut chercher un refuge en El Shaddai que de se confier à l'homme. Donc ça veut dire que chapitre 16 en fini. Nous pas mélanger avec chapitre 17 là parce que c'est premier petit Abraham et puis n'a prend deuxième dans et petit Abraham dans chapitre 17 là. Et nous sommes parlé c'est qui ça Léonard de Vinci dit encore, nous dit Léonard de Vinci dit l'expérience prouve que celui qui n'a jamais confiance en personne ne sera jamais déçu puisque c'est de la confiance que naît la trahison. Nous dit encore que François de Rofocault dit la sincérité est une ouverture de cœur. On la trouve en fort peu de gens et celle que l'on voit d'ordinaire n'est que fine dissimulation. N'est que fine dissimulation, ça veut dire que ruse pour montrer, pour attirer la confiance des autres. Mon nan lui-même lui fait mine de rien. Excusez, livrer la politique du bon voisinage pour le capable attirer confiance et pour ça pour le capable jeter à terre. Donc, qui ça que nous capable prendre un chapitre A comme leçon, comme des leçons. Eh bien, nous capable dire que leçon que nous capable prendre ça. C'est pour nous éviter la tromperie et pour nous éviter l'hypocrisie parce que El Shaddai lui-même il a des yeux pour le garder, il est capable dénoncer, il est capable chercher un gens pour capable faut paraître faut mal paraître depuis son bar a fait par le paruse parce que Ismaël gain avec Isaac gain même pris aux yeux de El Shaddai parce que c'est petit Abraham, voyez, parce que l'Éternel El Shaddai est mon monde. Tout ça, tout si tout plante, tout grain que li jete moun sa jete, li avec. Donc ça veut dire que mes amis, pas dit moi même c'est petit dehors, moi c'est petit madame mariée et que moi même bagay. Non, parce que tout petit moun gen même prix aux yeux de tous, mais on seul si bagay qui rive ou même qui dit comme ça que c'est petit dehors ou même qui dit petit servant tout m'ba gen rapport avec papa mais mon chiré. Ou chiré c'est sans nouyer, quel que soit position li pour le capable prendre décision que mal ou mauvais ou payer la donne parce que c'est sans nouer. Donc mes amis, donc nous même encore leçon pour nous prendre, pas maltraiter servante nous, servante nous aussi pas maltraiter maîtresse nous, mari tout leur madame nous dit nous bagaille calculer la prière si nous pas prier tout pas connait relation nous avec El Shaddai et si t'as réfléchi et puis madame yo tout les mari nous dit nous bagaille tout réfléchir nous une lot et puis ça nous capable prendre aussi mes amis esprit de jalousie, esprit de rivalité, esprit de compétition. Mes amis, quitte bagaille ça yo à terre parce que El Shaddai là l'a regardé, gè on yeux k'ap gade, bagaille ça yo et pas abouti en rien depuis la ruse et c'est pas mené et toujours à bon port et bon c'est pour un temps limité, bien limité. Donc nous voit que Agathe mal paraître tandis que s'il te fait affaire paisiblement quand cousil pas avec Bila servante Léa avec Rachel yo pas quereller pas trahir maîtresse yo même contrairement à ça que Agathe fait. Donc encore n'a dit l'autre bagarre encore c'était dans le plan divin. Si El Shaddai pas voulait ça passer comme ça le pas t'a passé parce que il dit tout ça qu'a fait c'est lui-même qui d'elle. Ça veut dire que il était voulait que tu aies deux nations différentes, il était voulait pas oublier ça, il dit mais mode, il était voulait mais mode dit me pas d'accord, hein? Pour nous répapier, ou il était voulait pour te gagner en pile nation, pour te gagner en pile tribu, en pile peuple, pour te capable gagner diversité dans nature là. Donc nous remet El Shaddai, nous pas qu'à contrecarrer, il nous dit encore il est le créateur de tout esprit et de toute chair, c'est lui-même qui décide, il n'est pas un innovateur, c'est chez Ben Yadisan qui innovateur, lui-même il doit prendre décision le voulait et nous-même nous pas gagner choix que courber et plier à sa décision. Donc c'est ça l'idée. Donc c'est à faire nous bien avec lui, mettez-nous en règle avec lui parce que encore nous dit il peut fouetter, il n'a pas que la miséricorde, il y a aussi la rigueur de El Shaddai. Donc il est capable de frapper nous jusqu'à l'os. Donc attention,
Elle n'a pas agi. Fais attention avec elle parce que nous dit encore, il ne joue pas. Et puis, dans l'omniscience, il compte tout le bagage, dans l'omniprésence, il peut aller tout partout. Dans l'omnipotence, il a un pouvoir sur tout le bagage. Donc, pas oublier encore, pardonner et puis pas quitter l'esprit de rivalité, l'esprit de concurrence. Et prendre nous pour nous capables de perdre face à El Shaddai, les filles encore rester dans la paix, pas humilier les gens, pas juger les gens. Essayer de comprendre tout le bagage, essayer de mettre nous dans. Neutralité parce que nous pas contre ça qui a passé. Donc nous dit merci de faire que nous t'es capable coûter, rester avec la paix, pas tuer. Nous pas blé partie ça non parce que nous pas mettre monde sous terre, pas tuer, ça c'est très important encore. Et puis si nous tuer déjà mandé pardon, pas continuer parce que il y a un œil qui regarde. Donc nous dit rester avec la paix et puis kembe là et puis m'en remet nous ciao shalom, à nous prier pour nous capable finir vidéo. Adorable El Shaddai, nous vous remercions encore une fois pour l'opportunité pour nous être capables de parler de paroles qui baillent la vie. Dans un moment, ça nous demande pour capable faire nous prendre des leçons et pour nous capables de mériter fidèles avec vous afin que l'on vienne pour capable venir nous sans reproche et faire que chaque monde qui parle côté vidéo est capable de rester ferme et pour capable changer d'attitude afin que l'on vienne pour capable venir nous irréprochable. Nous vous remercions, nous prions comme ça. C'est pas parce que nous sommes bonnes, mais c'est pas mérite petit tout. Yeshua qui vivra au siècle des siècles. Amen. Donc, nous finissons chapitre 16 ans. Prochaine vidéo, c'est chapitre 17 qui pourra parler de deuxième petite d'Abraham. Donc, je dis, c'était vidéo, c'était premier petit Abraham. Donc, nous disons merci. Nous remets nous. Je vous embrasse. Je vous aime. Shalom, shalom. Ciao, ciao.